Ma Mission TV, le miroir du monde. Tokokiko Kendete Andeora Oyoye à lobby. Il s'est exprimé qu'il avait un problème à hernie discale. Malade et tout ça qui est mamouké. À côté de la spécialiste Oba Sungiye, Zambasali Azali. Ça s'arrête là et c'est clair. Il n'est pas facile d'être le Congo. Maréchal Mobutu Aloba Kiyango, vraiment nous devons l'encourager. Tout le monde qui réaction à Matata Mbouni, c'est le Bétolé, parce que le Parlement, d'abord l'Assemblée nationale, excusez-moi, parce que dans le temps, il y a devant justice, il y a dossier. Tout le monde Matata Mbouni, on a Sénat, il va te dire comment tout le monde. L'éveil immunité, ça les maquis, mais est-ce que vous avez immunité avec ça la ligne? Et puis, le sénateur, le lobby, va protéger qui le lobby abandonné, le lobby qui l'un de vous, le lobby dans la situation très compliquée. Est-ce que tu as une impression par rapport à un collègue? Merci beaucoup. D'abord, le cas de mon ami Willy Bakonga au niveau Assemblée nationale, je ne sais pas ce qu'il sait réellement. Voilà le problème, il y a mon ami Augustin Matata qui fait mon premier ministre à moi, parce que Batoussou a eu la relation de la moitié. Il a deux dossiers. Premier dans les deux dossiers, dans le dossier à Zaïrianisation, dans le dossier à Bukangalonzo. Mais il y a un dossier à Zaïrianisation, dont les immunités ont été déjà levées au niveau, pendant qu'on était avocat au niveau du bureau. Mais ce dossier-là n'a pas été clos. Vous comprenez? Il y a deux dossiers qui n'étaient pas joints. Mais pendant le premier ministre Matata, il dit non, non, l'arrêt de la Cour constitutionnelle effaçait toutes les poursuites, y compris même les enquêtes sur la zaïrianisation. C'est là où le problème se pose. Quand on a des émotions dans des choses de la science, voilà. Nous devons éviter d'une manière ou d'une autre toutes sortes de populismes. Surtout induire les gens à l'erreur. Aujourd'hui, tout le monde est devenu. Les lobes à tout le monde sont commis par constitutionnaliste. Tikata Baswana Gana, professeur Mbata Ndenga, tout le monde peut interpréter la constitution. Cour à Komela, bureau et à Sénat, c'est ce que le président du Sénat. À Sénat, il a fait passer une seule polémique entre le président et l'honorable Matata. Il ne sait qu'il ne donnait pas bien. Ça devenait comme s'il y avait un problème entre le président du Sénat et l'honorable Matata. Ce qui n'est pas le cas. C'est question de comprendre tout simplement. Et Michel, on a place à Matata Mbouni. Ce qui est dit que le dossier est de Denis Kambay. Oui. Non, ça. Voilà, ce qui est le dossier de Zaragi Yangaï. Le lot de Denis Kambay est un siège cour constitutionnelle. Il y a un bureau et un président Kalou Badibou. Premier président cour constitutionnelle. Pour la WFC, non. Honorable. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, voilà que vous avez rendu un arrêt ici sur tel dossier. Mais il y avait aussi tel dossier. Est-ce que vos services ne peuvent pas saisir par écrit le Sénat, le bureau du Sénat? Parce que voilà ce qu'on me répond là-bas. C'est simple à faire. C'est-à-dire que nous démarrons un véhicule, arriver aujourd'hui au niveau de la Cour et solliciter ces documents-là, ça pose problème. Il n'y a que la Cour. Votre ami souffre. Vous avez beaucoup d'émotions. Hein. Votre ami souffre. Il est sénateur. Nous sommes dans des affaires publiques, dans des affaires d'État. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na bino bandeko bozuli bakwa kolanda biso na grand plateau spécial ya mokolelo ezali sengo mingi po ete bayimboka tokobeta masolo na o ezali koleka na mboka na biso topesi mbote na bakongole nyoso na batelespectateur o zona na biso à travers différentes chaînes de télévision pendant koloba ete na plateau spécial ya mokolelo tokobeta masolo elongo na ba co-présentateur na co-présenter bango tout à l'heure là kasi ya mokota na biso na biso bandeko balandi sengo ba ete rentrée parlementaire. Oh, ils allaient que ça s'annonçait déjà très chaud depuis retour à chef de l'État. Ma Congolais, basalé belé, ba causé là-bas mona. Oh, ils connaissent les ma na législature éthique, ils pouvaient être masolo. Ils allaient belé na bande de Kobalandi, tout le cantoni basé sous souhaité. Na côté, y a bas sénateur, qu'est-ce qui se passe? Ma camion, ils allaient que les cas, ma tata Mbouni. Est-ce que à cause zonga l'éveil immunité, ça a été à continuer ça et demander une rentrée parlementaire? Oh, bande de Kobalé, bah c'est présenté qui grand Kassai, ils allaient que Kennedy après tourner à mon côté. Zamboka, Toloba qui était single, Toloba est à 7, pour être, Toye Babande Konabiso, il y a Grand Kassai, Bazaliko Kansani, Nayango, Yambo, Tokota, Namozindo, Yamiso Nabiso, Toko présenté, invité Nabiso, il y a Grand Plateau en direct, Nde Bazaliko Nabiso, Toloba toujours ma question, Botinango, la numéro d'aller afficher, na WhatsApp, la base était, invité Nabiso à co-répondre, Nako le Kako présenté, invité Nabiso, il y a Tongwa de l'eau, Zali Bongo,
Moi, je suis Denis Kambay, je suis co-présenté, ministre honoraire du sport, ancien député national, sénateur, membre de l'Union Sacrée, enfin, président fond, il y a fondation Grand Kasaï Holding, et l'on a été au Masolo, dans le salon de la sénateur Denis Kambay. Au Bosané Loromogo, ancien gouverneur. Ancien gouverneur, mais gouverneur honoraire, il y a Kasaï. Merci. Donc, ma fonction, il y a renommé, il y a voté de ce salien. Donc, merci beaucoup pour ce grand plateau. Je voulais vraiment qu'on échange sur beaucoup de questions. Et Nami Tiki Namabo, on a bien, on a mis tout le monde sans tabou. Merci. Que nous puissions parler à cœur ouvert. Mais ma préoccupation est que, bon, j'ai raté, n'a pas sa réponse selon ma volonté, n'a pas sa réponse selon ce que moi je sais. Merci. Voilà, sénateur Denis Kambay, face au public, face à la population. À cause de la Liboso, il y a un journaliste Misato, qui a co-présenté Frida Mujula, Oyoazali, présentatrice, il y a émission Masolo Yamboka, Namolier Télévision, RTNC, Perfect Télévision, il y a Peter Antiani. Maman Frida, bonne fête à ma maman, parce que tout ça honoré dans le plateau avec maman dans le plateau. Au moins déjà, non, mon habit, mon lit, putain, mais tout là, ça, qui ça, mon habit, c'est Abassi. Et le roi, tu as mis le président Kambay. Il y a des gens qui ont été mis en place. Et puis, on intervient en français et on va demander Roland Abisso. Merci, monsieur Flavien. Je suis très content de participer à ce plateau en face de l'honorable sénateur, gouverneur Denis Kambay, le débauché de l'Union Sacrée. Merci. Le débauché de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée. Là, vous l'accusez. Non, je vais répondre. Il est dans l'Union Sacrée, il est au FCC. Il est maintenant dans l'Union Sacrée et puis, il est débauché. Je vais. Voilà. Je peux déjà répondre. Oui, merci. Je comprends que beaucoup de Congolais ignorent des concepts. Beaucoup de Congolais ignorent des concepts. L'Union Sacrée n'est pas à comparer avec les FCC, même pas le cash. C'est une vision du chef de l'État, sa conception qui a dit « Le Congo est malade, nous sommes en difficulté de faire avancer ce train à deux têtes ». C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes en train de voir la République, il y a une vision cash, il y a une vision FCC. Ça va être difficile, comme peut-être le président Moïse Katumbi l'avait dit autrefois, on ne peut pas conduire un véhicule avec deux chauffeurs. C'est ça, tout simplement. Mais par ignorance, les gens veulent comparer l'Union Sacrée au FCC, au cash. J'ai dit que dans les jours qui viennent, les gens comprendront par ma réponse, l'Union Sacrée n'est pas à confondre avec FCC ou cash. L'Union Sacrée, cette vision dans laquelle se retrouve même le membre de FCC, le membre de cash et membre de la MUCA, c'est que l'Union Sacrée est plus grand que des anciennes structurations. Denis Kambay n'a jamais été débauché et il ne le sera jamais. Pour vous aider, Denis Kambay est sénateur élu sur la liste PPRD et il le demeure jusqu'en 2023. Mais il soutient la vision du chef de l'État qui a été un compromis pour nous. Tous ceux qui étaient élus avec la majorité parlementaire à l'époque dans le cas de FCC et la majorité présidentielle dans le cas de l'Union Sacrée. Donc ça pose aucun problème, mais les gens ont des petits esprits quand ils viennent sur le plateau, ils veulent faire des polémiques. Merci sénateur, mais je veux vous recommander vous êtes leader de Grand Kasaï, de suivre également la chanson de Tchala Mouana de l'ingratitude. Elle n'est pas modèle pour moi. Merci, non, c'était juste une question. Je n'ai pas vraiment le temps. Merci. Voilà. Si vous, sur le plan politique, vous devez me ramener à ce niveau-là, de réfléchir à ce niveau-là. Je ne voudrais pas indisposer mon oncle Claude Machala, que je salue en passant, mais je voudrais vous dire que non, prochainement, ne me ramenez pas à ce débat de bas étage. Merci. Revenons à notre sujet, honorable sénateur Denis Kambay, le mot côté en français. Voilà, honorable Denis Kambay, rentrée parlementaire. Il y a mon lobby, tout le monde est un député, un sénateur, et l'on a c'est en vous là. Il y a un peu de temps, tout le monde peut me conduire à la session Oyo. Je suis un peu de temps, un sénateur, surtout parce que tout le monde est un sénat. Mais là, vous avez une grande responsabilité devant la population. Est-ce que Denis Kambay a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a Il y a les bossons dans ce plateau, parce que tu as un tabou. Voilà. Delphin.
Maman Frida, l'avocat du peuple Flavien Roussagui, Poto Sola Magamboyo, que demande le peuple, voilà. Sur tous les plans en tant que sénateur. Parce que tout a été dit. Oebi quand même que j'ai un grand service de communication. Les gens, il restait seulement Keba Mema Mokonzamboga na morgue. Tomona, Mokonzamboga baga no tige na morgue. C'était ça. J'ai suivi même des gens qui faisaient des prières dans les réseaux sociaux pour assaliner. On lui reproche de quoi pour quelqu'un qui a été élu pour un mandat de 5 ans et nous sommes en train de nous organiser pour avoir un second mandat. Ce qui est logique. Et de faire ces deux mandats en attendant que nous puissions voir qui viendra après ces deux mandats. Nzambasali, tout ce qui a été dit, Nzotomutuninganaga, va continuer sur le monde entier. Il n'y a pas de robots. Moutinio Sosamana Makila, Nzotuninganaga, Nzotuninganagi, et Mokonzamboka, Azongi, Namakas, Nyoso. Et pour preuve, il est descendu jusqu'à des bonhommes pour la banane britannique, Banama Tetero, Langaba et Biango, qui est Mokonzamboka, malgré ma douleur à Rosalango, à Kiti. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille. Voilà. Maman Frida. Malgré ma douleur, il y a chef de l'État, il y a un Denis Kamba et Lobian, mais la population est en train de se faire. Moi, je suis concernant malade chef de l'État. Jusque-là, tu es chef de l'État, mais la Kinini, et la Kinini, pour les populations, parce que tout le monde est lobby. Chef de l'État, il y a qui lobby malgré les alaki, mais population qui est là. Mais si les lobbies sont habités, chef de l'État, avant d'aller pour Belanini, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Merci, Ndeko Frida, Maman Frida. Tout le monde, bonne fête, tout bien. Sans un malam, il y a un malam. Mais il fallait que vous bandiez dans le monde, mais vous avez foutu à man. Je vais répondre à la provocation de le faire. Je vais vous faire ça en été. Parce que vous avez ignorant, il y a trop d'ignorants dans la télévision. Ok. Vous avez un concept dans des livres, il faut doser Bango. J'ai toujours dit à Delphine, tout ce que moi j'ai dit sur le plateau, si quelqu'un qui veut faire le débat contradictoire avec Denis Kamba, à j'avais mon niveau, niveau d'études, moi expérience, pour ça le débat, au moins il y a un côté maï, naïbi ming. Et je maîtrise ce que je dis. Moi de la femme, maman Olati Kitoko, merci beaucoup vraiment. Olati Bo maman, la commission. Pour elle, moi, elle va complaire d'ailleurs, elle va complaire. Olati Bo maman. Moi, Sanza, Malamo, on merci est ensemble. Pourquoi nga moko na zanga la moulume? C'est-à-dire qu'avant moi, il y a trois femmes. Après moi, trois femmes. Donc, on a beau tamé na Katia Bassi. Il y a un des nakoumi sarabango, le roi papa, et Baloba. Boza ba maman, Boza Bassi, Nabiso, Boza Bana Nabiso, et ma fille est née. Oaza, il est né, le roi, la yopena taille, non, galoé. Et Azali, licencié en droit, au taille, au dernièrement. Bénédicte Kamba, il bout, on a fait sa beauté place à Azali. Et nous a fait honneur. Elle est licenciée en droit, mariée, à Sambelaga. Awa Kokumi Sanzambe. Vraiment, Sanza Malam y'a bon moment. Par rapport à Mokonzamboka, Tokoki Kokendete Andeora Oyoye à lobby. Il s'est exprimé qu'il avait un problème, il y a hernie discale. Malade et Tomisa qui est Mamouke, à côté de la spécialiste Oba Sungiye, Zambasali Azali. Ça s'arrête là et c'est clair. Tokumi Sanzambe, après ce Soumaka, si vous Kumbe la Mokuli, il n'est pas facile d'être le Congo. Maréchal Mobutu Robaki Yango. Vraiment, nous devons l'encourager. Merci, maman. Merci, moi, Namboka de Likambaye. Tout le monde a dit discours à Ndeko Bahati. Population Zali Komituna. Ndeko Denis Kambaye. Bakoki koze la yo. Donc, bakoki ko s'attendre nini concernant discours à Ndeko Bahati. Denis Kambaye, vous allez proposer nini concernant intérêt à Mboka. Et surtout que session, ils ont une section. Il y a ma Kambou et Bele, puis ma loi et Bele Kovotame. Donc, on s'attendre nini pour le discours à Ndeko Bahati. Merci. Bandego, le roi, tu as dit que non, Platon a fait Zali, Platon a fait Matéa, pour battre. Ah, la bichot, tu es Théaka. On ne vient pas faire des polémiques. Tu es Théa, pour battre, tu es la session mi-balé. Tu es la session, tu es la session budgétaire, tu es la pour la mboke kotambo la ndenge nini. Voilà, tu m'as dit en septembre, tu es suivi en. Tu m'as dit le 15 septembre, tu es suivi en 15 décembre. Donc pendant 3 mois, tu es la mboke kotambo la ndenge nini, mboka et ma coquille et gozawa. Puis c'est ça le fonctionnement du Parlement. Mais au Yabiso, il y a mois de mars, il y a de 15 mars, on a 15 juin, période où on est trouvé dans la il y a question d'actualité, il y a contrôle, il y a gouvernement, il y a loi, il y a une loi. Il y a un peu de temps, on a fait ça en bonne place, Azali, professeur, président, honorable président Modeste Bahati, à l'Obiboye. Tout ça, il y a un peu de temps, moi, ignorance, il y a un peu de temps,
Sénat est fonctionnaire. Il y a 15 ans parlementaires. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que demande le peuple? Population a voté à travers les députés provinciaux. Et aux Zélanini Nabiso. Tout ça, déjà, réunion sur la question orale avec débat adressé à l'exécutif. Pour répondre à la à travers la publique, qu'est-ce que l'exécutif doit faire? Parce que quand il y a un député national ou un sénateur, et sa compétence dans la monté. Comme il y a un député national ou un sénateur, il y a une croix rouge. Il y a une toilette. C'est un député qui a un sénateur, il y a un courant. Et ça, Moussala a été. Donc, Moussala est député et il y a une session Oyo, il y a mois de mars. Modification sur tout autre qui est dans l'élection élection il y a 2023. Donc Moussala Malamou, président de la Guy clair à l'obigeno de connaissance sa maluko de la gouvernement de Barior to tira bango kimiate to bengi sa bango régulièrement de sorte que to solo la gana bango sur makambo tam samboga. Merci Delphin, à votre disposition. Merci, président Denis Kambaye, pour vos réponses. Espérons que les gens sont convaincus par rapport à très ce que vous êtes convaincus. En train. Espérons. Avant de poser la question sur les discours de Bahati Lukwebu à l'ouverture de cette session, mais j'aimerais quand même saluer le président Delice Sangalamvol qui pense que sous votre gestion, le Congo est dirigé en mode automatique. Vous êtes en train de tâtonner. Par rapport à la maladie du chef de l'État... Ça, c'est la deuxième question. Non. Première, c'est Denis Sessonga. J'ai réfléchi à haute voix que le pays est en train de diriger. Ne réfléchissez pas à haute voix. Posez-moi des questions. Est-ce que je peux vous poser la question? Oui, posez-moi des questions. Parce sous que votre gestion... Vous l'avez cité dans mon émission. Je répondrai comme ça, vous allez lui amener la réponse. Est-ce que je peux poser la question? Oui, maintenant posez la question. Donc, ne citez personne dans mon émission. Si vous citez un nom, je vous donnerai la réponse pour aller donner à la personne. Vous amenez la dictature sur ces plateaux? Non, je peux poser la question non, si vous me citez. Est-ce que je peux poser la question? Monsieur Denis Kambaye, est-ce que je peux poser la question? Voilà, pose la question. Je répète. L'Envol pense que les pays est dirigé en mode automatique. Trop de controverses autour de ce pouvoir. Trop de communiqués par rapport à la maladie du chef de l'État. Sa famille pense qu'il n'était pas hospitalisé. Il y a quelqu'un de la famille présidentielle ou du pouvoir qui injurie l'un de nous, Christian Lussakweno. Moi, je suis journaliste et je ne peux que les défendre. Les chefs de l'État, quand ils parlent, ils confirment... Je ne sais pas quelle est la question. Ils confirment qu'il était malade. Trop de controverses autour de vous. Mais revenons par rapport à ces discours de président du Sénat, Bahati Lukwebu. Il y a ceux qui pensent trop de populisme, un discours qui manque les contenus, les peuples ne se retrouvent pas. C'est ça la question sur le discours du président Bahati ou vos constats par rapport à vos amis d'Envol, tout ce que vous avez cité dans mon émission. Voilà. Vous pouvez répondre? Je ne sais même pas par où commencer pour répondre. Parce que là, j'ai senti que vous avez cité les gens dans mon émission pour faire leur publicité dans le pays déjà mode automatique. L'union sacrée. Vous êtes leur porte-parole. Je pose la question. De Kodani Kamba, répondre à la question. Non, mais question, ça te répond. Question, ça te répond. Ça te clair la question. Question, ça te répond. Je vais vous d'abord, on a eu l'Iwa. Et où tu es on a eu l'Iwa, maladie à Mokonza Mboka. Dans les réseaux sociaux, d'abord, sous officiel, Baba qui a été là. Mais tout le monde me dit que je suis là. Donc, je vous dis même la présidence. Je vous pose la question. Merci, monsieur Falaise, pour l'éclaircissement. On est à toi. Je pense que vous avez posé la question. Vous n'avez pas de question. Vous avez ma question, Delphine. Non, Nazo qui m'a dit. Je trouve que Delphine n'a pas de question. Là que les émotions de ce que pensent les autres, te le disent ceci. Est-ce que moi, je dois être. À mon âge, même par rapport à l'âge, vraiment de l'école de tel ou tel qui réfléchit, un homme libre, un homme politique qui réfléchit de sa manière, et moi j'ai le temps à perdre pour suivre tel a dit, tel. Non, moi j'ai ma façon de voir des choses. Chacun de nous est conscient et responsable de ce qu'il dit. Donc je n'ai pas à suivre tel et a dit, et on a parlé de Christian Lussakweno. Vraiment, je reviens à ce que vous avez dit. Vous avez suivi les gens en train de faire des prières pour la mort du chef de l'État. Vous étiez aussi dans les rumeurs ou c'était une source officielle? Je ne comprends pas.
les gens en train de faire la prière. Vous avez votre problème. J'ai déjà répondu à la question essentielle de Maman Frida Guénon. Le chef de l'État était malade. Deuxième question. Il n'y a pas de question. Appelez au peuple de juger. Monsieur Denis Kambay. De questions. Il n'a que ce que je vois actuellement. Vous savez pourquoi je ne passe plus beaucoup à la télé? Parce qu'il y a trop d'émotions à la télévision. Les gens ne disent rien. Les pays. Il n'y a aucune question. Les gars sont à la télé, t'es pour chez toi. Pourquoi non, deuxième question. Non, je suis très fort côté Wana, mais seulement. Voilà des questions. Tu l'as dit. Ça, ce n'est pas une question. Il a dit, c'est son point de vue. On a perdu 5 minutes. Parce que si on doit rentrer sur le comportement de chacun, il y a beaucoup de gens qui apprendront à se taire. Si on doit connaître l'histoire de comment on est arrivé en politique, comment... il y a beaucoup de gens qui vont prendre. Pourquoi vous souffrez à répondre à mes questions? Parce que ce ne sont pas des questions. Tu veux te faire porte-parole des questions des autres. S'il vous plaît. Je ne peux pas répondre aux autres. S'il vous plaît, je me mets à votre place. Non, ne vous mettez pas à ma place. Au peuple de juger. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes venu pour communiquer. Les discours de voilà, Delphin, attends, je veux que... Les discours de battu, écoute d'abord. J'aimerais bien. Non, je ne vous permettrai pas. Restons posés. Ok. C'est un grand plateau. Comme je l'ai fait sur PES TV, je le ferai aussi sur Télé 50. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire que je voudrais que vous puissiez... Je n'aime pas des émissions polémiques. Telle a dit... Non, c'est trop bas. Passons à autre... Restez dans les émissions, pose la question. Qu'est-ce que vous pensez? Celle de son. Mais vous venez dans des émissions pour citer le nom des gens. On continue. Je parle tant perdu. Monsieur Denis Kambay, oui. Je reviens. APJ au peuple de juger. La deuxième question, il y a ceux qui pensent. Il n'y a jamais eu la première d'abord. Il y a ceux qui pensent que le discours de Batu Lukwebo, c'est un discours fantaisiste, manque de contenu. Alors, voilà encore. Des rumeurs. Il y a ceux qui pensent. Donc, vous parlez dans le vague. C'est-à-dire que non, il y a des gens qui... Moi, je vous dis que nous sommes dans une session parlementaire qui est consacrée au contrôle où le président du Sénat a été clair pour dire que cette session, le gouvernement viendra régulièrement dans le cadre des quinzaines parlementaires que nous instaurons pour parler de ce que nous avons vu pendant les vacances parlementaires. Ça, c'est un. De deux, nous allons faire notre travail de contrôle parlementaire. Et pendant cette session... Nous allons vraiment travailler différemment de la session budgétaire. Et les gens doivent savoir quelle est la différence entre les deux sessions. C'est simple à savoir. Mais si on doit rentrer dans des émotions, de dire depuis 60, Toli a gâté, ça c'est un discours trop bas. On doit avancer aujourd'hui. Vous représentez les provinces. Et le peuple attend de vous quand le peuple pense que sur le plan social, parce que vous avez déjà 3 ans, sur le plan social, il n'y a pas de retombée. Quand vous dites là, vous, là, c'est qui? Les sénateurs. Merci. Voilà. Merci pour une bonne question, l'unique question que vous avez posée. C'est ce que vous faites la différence entre les Sénats et les gouvernements. Donc c'est ce que je vous disais. Dans cette émission éducative, les gens doivent savoir quel est le rôle d'un parlementaire, quel est le rôle de l'exécutif national. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé l'intervention du premier président de la Cour constitutionnelle, Kalouba, Philo Kalouba, dans une des émissions, j'ai lu ça dans les réseaux sociaux aussi, et de voir l'ignorance qu'il y a dans les têtes de beaucoup, même des intellectuels. Ils vont venir sur ce plateau, en train de se tirailler dedans. Non, le Sénat ne fait rien, l'Assemblée nationale ne fait rien. Comme si c'est le sénateur et les députés nationaux qui gèrent au quotidien. Nous sommes dans un système démocratique très équilibré. Le chef de l'État a sa mission, le Parlement, avec ses deux chambres, a sa mission, l'exécutif et les cours et tribunaux. Chacun est responsable de ce qu'il doit faire. C'est pour cela que pour nous, cette session de mois de mars, c'est une session extrêmement importante. C'est comme ça que nous, au niveau du Sénat, le président du Sénat l'a dit. Et il l'a si bien dit, il était clair. Mais voilà, vous voulez rentrer dans le comportement des réseaux sociaux de dire « Non, il semble que c'est toujours comme ça, discours... » Non, non, ne nous jugez pas sur les intentions. Voyez ce que nous allons faire et nous reviendrons ici. Vous pensez que 3 ans après, le peuple ne peut pas s'inquiéter si le peuple ne voit rien? Si vous étiez porte-parole du peuple, mais vous n'êtes pas aucun mandat. Je suis journaliste. Vous êtes journaliste, mais vous n'avez aucun mandat pour parler au nom du peuple. Aucun. Vous avez le mandat. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour cette population? Nous n'allons pas nous chamailler sur un plateau, évoluons. Faisons un bon débat. Moi j'aime un débat scientifique. Un débat où les gens sont à la maison en train de nous suivre. Qu'avez-vous fait? À ce rythme-là, les gens peuvent vous appeler l'émission.
à ce rythme-là, non, mais il n'y a rien. Donc, laissez-nous donner l'information. Qu'avez-vous N'allez fait? Pas dans des émissions à polémique. Vous pouvez répondre à la question, monsieur le voilà, non, qu'avez-vous je ne vous ferai pas ce plaisir-là. Okay. Faisons une émission éducative. Quel est le rôle des parlementaires? Quel est le rôle de l'exécutif? Voilà. Si vous comprenez le rôle de chacun, vous allez travailler. Mais aujourd'hui, je vois même des gens qui n'ont jamais été chefs d'avenue sur vos plateaux. Non, non, le peuple a dit, de quel peuple vous parlez, monsieur? Qu'avez-vous fait? Nous avons fait beaucoup. Merci. Nous avons fait beaucoup, voilà. Et nous continuons à faire. Merci. Denis Kambay, une question. Non, tout oui. Là, parce que l'éloi au Bouzoungi, tout le monde a qui réaction à Matatampo, il s'est pétolé. Parce que, dans le Parlement, d'abord, dans l'Assemblée nationale, excusez-moi, parce que dans le temps, l'éloi est devant la justice, il y a un dossier. Tout le monde a Matatampo, il y a un Sénat, il va te demander combien tout le monde. L'éveil immunité, ça les mains qui, mais est-ce que Bouzoungi c'est l'immunité? Avec ça, la ligne. Et puis, bah, sénateur, oh, le lobby va protéger qui, le lobby va abandonner, le lobby va tiquer. L'un de vous, le lobby dans la situation très compliquée. Est-ce que tu as une impression par rapport à un collègue non? Merci beaucoup. D'abord, le cas de mon ami Willy Bakonga au niveau Assemblée nationale, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Je suis au Sénat et non à l'Assemblée nationale. Mais je dis que tout simplement, par rapport aux quatre institutions, président, parlement, gouvernement et cours de tribunaux, chaque institution est dans la Moussa Lango. Donc, il y a l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qui se passe. Mais au niveau du Sénat, les gens doivent comprendre. Je crois qu'avant même de monter sur ce plateau, j'ai échangé avec mon président de la PAJ, maître Jean-Pierre Jean Bakomito, pour dire que nous devons éviter d'une manière ou d'une autre toutes sortes de populisme. Surtout induire les gens en erreur. Aujourd'hui, tout le monde est devenu. Les lois Batounion sont commis par constitutionnalistes. Tout le monde peut interpréter la constitution. Tout le monde est devenu juriste pour interpréter la constitution. Voilà le problème. Il y a des gonabissos Augustin Matata qui fait mon premier ministre à moi, parce que Batoussou a eu la relation de Zana Mouate. Il a deux dossiers. Premier, il y a deux dossiers. Il y a un dossier à Zahirianisation, il y a un dossier à Bukangalonzo. Vous comprenez? Et le dossier Bukangalonzo est commis à niveau ya, ma, pour plusieurs avec un studio dossier Bukangalonzo a fixé dossier à niveau ya cour constitutionnelle. C'est-à-dire que non, et le moins d'instruction et qui est pour le jugement. Et est commis un jugement devant bah, au magistrat. Bakalou bah, dit, vous bah, constatez que non, dossier Oya Bukangalonzo, la manière dont PG a fixé la Kiango, et qui vous a la jugé en athé, a sali arrêt à Golobagano, dossier on a. Et quand vous allez juger à niveau natif. C'est-à-dire que non, pour Bukangalonzo, l'affaire est close. Selon la cour. À moins que pas orienté à mon cour Moussous. Mais il y a un dossier à Zahirianisation, dont les immunités ont été déjà levées oui. Au niveau, pendant qu'on était en vacances au niveau du bureau. Mais ce dossier-là n'a pas été clos. Vous comprenez? Il y a des dossiers qui n'étaient pas joints. Mais pendant qu'on a vu le premier ministre Matata, il dit non, non, l'arrêt de la cour constitutionnelle effaçait toutes les poursuites. Y compris même les enquêtes sur la zahirianisation. C'est là où le problème se pose. Maintenant, il faut que Zong ande à niveau de la cour. Cour à Komela, bureau et à Sénat. C'est ce que le président du Sénat a Sénat la fois passée. Il me sert la polémique entre le président et l'honorable Matata. Ce qui ne donnait pas bien. Ça devenait comme si un problème entre le président du Sénat et l'honorable Matata, ce qui n'est pas le cas. C'est question de comprendre tout simplement. Que dans ces deux affaires, si aujourd'hui la Cour dit que non, l'arrêt rendu par rapport au dossier Bukangalonzo concernait aussi la zahirianisation, on notifie, on va faire l'affaire. Mais aujourd'hui, la réponse que nous avons, nous juristes aussi du Sénat, c'était une question qui devait être traitée au niveau APAJ pour donner la matière, afin de sortir comme s'il n'y a pas de problème personnel. Il y a Goloba. Mais comment on a Ndeko Matata a question. Est-ce que Ndeko Matata a un problème Ndeko Bati Lukwebo a un problème particulier dans Matata? Tant que c'est un qui leva immunité, il y a un sénateur. Il y a qui a livré Ndeko Nabino. Il y a un qui a été livré. Il y a deux dossiers. Il y a dossier Bukangalo, il y a dossier Zahirem. Alors, maintenant, à ce titre, Tokolo Bani, Matata Ponyo a qui a siégé. Outre dossier. Il y a Bukangalonzo, y compris dossier à Zahirianisation, nous se joint et qu'on peut clôturer le dossier. Mais en plus, pour les organes à Goba, le bureau se déclare incompétente. Incompétente sur quel dossier? Parce que l'autre dossier est encore en instruction, n'est pas fixé.
Donc, ma tante a aussi jeté. Non, mais je crois que Ngaï n'a pas porte-parole à pour. Ça, sénateur, à sa collègue. Oui, mais ça, ça fait. Dans l'autre niveau, oui. Et au moment où on discute de ça, il est important que les cours constitutionnels, qu'on a envoyé deux buissons, qu'on a envoyé deux buissons, avec un écrit, ça peut nous permettre d'avancer. C'est tout simplement ça. Moi, n'a pas dit que. On a des émotions dans des choses. De la science. Moi, j'ai beaucoup de dit qu'il y a une question d'émotion, mais la population est allée à l'école, il y a un dossier à ma tête pour les aller au Kende. Je me suis dit que je suis allé à ce moment-là. Je me suis placé pour que je puisse faire ça. Et Michel, on a placé à ma tête pour nous. Ce qui est le dossier, c'est qu'il y a Denis Kambay. Oui. On a ça, 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 ça. Voilà, ce qui est le dossier, c'est qu'il y a un gars. Le Denis Kambay, il y a un siège cour constitutionnel. Il y a un bureau, il y a un président Kalouba Diboué. Premier président Cour constitutionnelle, pour non, honorable, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, voilà que vous avez rendu un arrêt ici sur tel dossier. Mais il y avait aussi tel dossier. Est-ce que vos services ne peuvent pas saisir par écrit le Sénat, le bureau du Sénat? Parce que voilà ce qu'on me répond là-bas. C'est simple à faire, c'est-à-dire que nous démarrons un véhicule, arriver aujourd'hui au niveau de la Cour et solliciter ces documents-là, ça pose problème. C'est tout simplement ça. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du bureau, il constate que non, on se retrouve devant deux affaires. Mais maintenant, sans vouloir faire des polémiques entre les intérêts, Nalobi, si c'était moi, intérêt Nangaï Kambay, la procédure que je devais faire, c'est n'a qu'un dégât à court. Si on a eu correspondance, on a seul point de presse, on a dit que non, il y a un autre problème personnel dans le bureau parce que voilà la correspondance. Mais les conditions ont compris que ça a été pour Nani. Aza collègue, Nayo. Ce que moi, Nalobi, on a TV, parce qu'on s'est fait ça, on va marcher à Moussoussou. Merci mon frère Flavien. Il ne faut pas rêver les anciens de moi. Hein. Je vous rappelle que Matata a été le premier ministre. Je l'ai dit moi-même, je vais vous le savoir. Il était le premier ministre. J'ai aimé quand j'ai vu monsieur le sénateur entrer avec sa constitution. Toujours. Je pense qu'on est dans l'état des droits avec Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi. Vous avez expliqué ici, Matata avait des dossiers. Je suis entré en contact avec les proches Matata. Le premier dossier a été classé sans suite. Mais j'aimerais que vous puissiez nous faire la lecture. Lequel dossier qu'il y avait Zarianisation. Vous avez beaucoup d'informations. Hein? Je peux continuer. Ça, je ne sais pas. Je peux continuer. Mais cette fois-ci, je ne veux pas vous interrompre. Je vous laisse aller dans vos hérésies jusqu'à la fin. Je vais vraiment. J'ai dit ceci. Ok. Je suis entré en contact avec les proches de Matata et ils ont dit que le premier dossier a été classé sans suite. Vous êtes venu pour communiquer, je vous pose des questions. Je ne dis pas qu'ils ont dit la vérité, mais vous avez la constitution. Si vous pouvez nous aider, si ça vous dérangerait, moi-même je peux lire. L'article de la constitution 168, le contenu de cet article. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public et pouvoir public à toutes les autorités administratives, judiciaires, civiles, militaires, ainsi qu'aux particuliers. Quelle est votre interprétation de ces dates? Merci beaucoup. Vous avez quelle formation? Je vous ai posé la question. Non, oui, parce que ce n'est pas à vous de me poser les questions. Non. Vous pouvez répondre à la question. Non, j'ai dit ceci. Le danger du Congo, c'est quand on a vu des quadros devenir des mécaniciens. C'est pas possible. Non, mais je vous dis. Je vous ai juste posé la question. Est-ce que je peux arriver? Mais c'est pas possible. Non, j'ai dit ceci. Oui. Parce que quand on touche à un livre saint, même pour quelqu'un qui doit lire, la Bible, quand vous la lisez, verset tel, il faut savoir les contenus de ce. Vous parlez de l'arrêt. Je vous ai dit, effectivement, il y a eu un arrêt sur Bukangalonzo. On n'a jamais contredit cet arrêt-là. Ça ne pose aucun problème. Et vous avez l'information que le dossier sur la zaïranisation a été classé sans suite. Comme vous le dites, moi, je n'ai pas cette information-là. Et comme vous avez cette information, est-ce que ça gêne à qui? Parce qu'aujourd'hui,
si le premier, le président de, du Sénat s'oppose à lire, à écouter votre article qui est constitutionnel, une très belle lecture, le président du Sénat peut être poursuivi. Le président du Sénat peut être poursuivi. C'est pour cela que rentrer sur la même voie, voyez vos amis là, qu'on fasse une procédure judiciaire contre le président du Sénat qui ne veut pas exécuter l'arrêt de la Cour. Mais monsieur Tempé, vous êtes sénateur. Vous avez le plaisir. Vous comprenez, si, on peut avancer ou pas. On a beaucoup de questions à traiter. S'il vous plaît, monsieur Kamba. Sur la question Matata Pogo, voilà. Pas, vous non, pouvez, je ne vous intimide pas. Ne m'intimidez pas, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Vous êtes sénateur. Vous êtes censé avoir beaucoup d'informations sur Matata Pogo. Vous savez, il y a des dossiers classés. Sans suite. Oui, mais c'est simple. Attendez. Étant donné que les arrêts de la Cour ne peuvent pas être discutés. Vous l'avez dit, vous l'avez lu. Matata a un arrêt. Exactement. La Cour s'est déclarée incompétente. Matata a un arrêt. Je vous ai lu un article. S'il vous plaît, je vous ai lu un article de la Constitution. Oui. Je vous ai demandé votre interprétation. Vous êtes sénateur. Moi, je vais interpréter la Constitution. Vous êtes, je ne suis pas compétent. Quelle est votre compréhension? Voilà. Oui, mais vous la êtes compréhension... Sénateur. Non, j'ai dit ceci. Il n'y a que la Cour. Votre ami souffre. Vous avez beaucoup d'émotions. Hein. Votre ami souffre, il est sénateur. Nous sommes dans des affaires publiques, dans des affaires d'État. On l'interdit de voyager ainsi de suite. Aïe. Bon, Delphin, honorable, je vous propose. Non, c'est son temps de sénateur. Je ne sais pas si on peut avancer. Répondez à l'une de ces questions. Est-ce qu'il y a une question? Parce que la question de Delphine, comment vous interprétez ça? Voilà. Moi, bon, je vais demander la compréhension. Je vais demander votre compréhension. Vous êtes sénateur, vous pouvez porter ce problème au Sénat. Oui, Seigneur Dieu. Delphine, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez laisser les sénateurs répondre? Ok. Non, mais je vais répondre sur la préoccupation. Il a mis une disposition de la Constitution. J'ai dit, moi, je vais conclure sur cette question. Il y a trop de spécialistes constitutionnalistes actuellement, comme le professeur Mbatt l'avait dit. Mais nous serons heureux un jour que chacun reste dans le cadre de sa formation. Que les journalistes fassent son travail de journaliste, poser des questions aux connaisseurs, aux juristes, aux médecins. Moi, je ne peux pas vous parler de Covid. Je ne serai pas là pour dire que non, le Covid, c'est comme... Non, que chacun fasse son travail. Je vous ai déjà dit que non, les arrêts de la Cour constitutionnelle, comme vous le dites, l'article que vous avez évoqué, est constitutionnel. Oui, nous nous sommes retrouvés devant des affaires. Mais vous, vous avez une autre information que nous n'avons pas. Que même l'autre affaire a été déjà classée sans suite. Bonne information. Étant donné que cette affaire a été classée sans suite, qu'est-ce qu'on doit faire? En simple, vous et tous les amis qui sont autour de ces dossiers-là, vous voyez la Cour constitutionnelle, on écrit au bureau du Sénat, on est avancé. Est-ce que pour faire ça, il est vraiment compliqué? Vous avez besoin de conseils. Journaliste à lobby, Nayoki, populaire, Batouba lobby, le discours, il y a président. Ça, c'est pas du journalisme. Ça, c'est. C'est ça, c'est faire le porte-parole. Non. Monsieur Denis Kambay. Un journaliste. Monsieur Denis Kambay. Vous n'avez pas de leçon. Mais de laisser ce plateau. Non, c'est plateau. En tant que journaliste, la vie. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Les rumeurs. En journalisme. S'il vous plaît, monsieur Denis Kambay. En journalisme. Les rumeurs. Journaliste n'est pas porte-parole. Merci, on revient. Vous avez de l'information. Quand il y a un traitement. De rumeurs voilà. Sur le plateau. S'il vous plaît, le journaliste reste posé. Vous n'avez pas neutre. S'il vous plaît, et il pose des questions. Il vient de dire que non. Tel sénateur, s'il vous plaît. Je crains par rapport à votre métier. Merci. Voilà. Un journaliste doit être. S'il vous plaît, Ndeko Denis Kambay. Yo peux ressortir les sommes à journée, c'était. Non, non, je dois le faire. Évoluer. Moi, je vous ai reçu. Merci. Pendant que j'étais ministre de Sport. Ouais, ouais, en tant que vétéran, plusieurs fois avec le taquin, honorable Eliezer, Ndeko Basile, merci, de vieux journalistes. Merci. Même si vous avez votre tendance, ne venez pas me parler des autres.
Denis Kamba, il tourne la mission Mituna. Et il y a un oiseau sale. Ce qu'on vient de vous entendre. Vous avez compris. Vous avez compris. Merci. Moi, j'étais sur le plateau avec des grands. Merci. Quand vous posez des questions, vous évoluez. Parce que notre communication, la presse, c'est quoi? Il faut que les gens qui sont à la maison comprennent. Merci, tu évolues. Mais si on vient pour faire plaisir. Bon, tout là, ce qu'on a. La thématique, nous sommes sous l'union sacrée parce que nous avons attendre la population par rapport à Grand Kassai. Après, tourner à Mokonzambo, quand on a Grand Kassai, il y a un monde qui a la chute de l'émission. Tout le monde est l'union sacrée. Mais on a quand l'union sacrée, tu es habité. Nous avons coordonné l'union sacrée. Tantôt, tu es qui va nous commencer à faire et à battre le coin. Mais la question, nous avons tout. Tantôt, on a battu le coin. Depuis, moi, il y a eu des UDPS, vice-président et assemblée nationale. Azazus Wanate et que lelo yo sacré to ibate. Est-ce que tu veux que le bal lelo yo vraiment kabond? Azate lelo ba musu ba mungu wele yo sacré. Yo yebi les joueurs et leurs jeux. O yebi. Lelo na kata yo sacré bisabiso. Est-ce que ta mo yo sacré eza ko répondre na vision mo konza mboka? Azola no pas saison ipe na mboka. Yebi. Je vous répondrai la même réponse parce que la personne avait. Union sacrée n'a pas structuré pour le baguette au Kondia. Union sacrée, la seule personne, le seul patron de l'Union sacrée, au-dessus de tout, Colo Conception, s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui le concepteur, c'est lui le visionnaire à l'Union sacrée. Mais Lélo, au Tarabassa, la réunion à Bango, on appelle le responsable de la grande structure. C'est notamment président. Il y a AFDCA. Donc, on prend d'abord le président, il y a l'institution, il y a le responsable de l'institution. Si je peux être clair quant à ce niveau-là, cours et tribunaux, ils ont naître en tant qu'institution pour qu'on ait élection, qu'il y ait voté, qu'il y ait voté, qu'il y ait nommé, qu'il y ait voté, qu'il y ait voté. Mais l'institution, c'est Kikali. Tout le premier ministre. Oiseau siège en coordination à l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée est institutionnelle. Tout le président de l'Assemblée nationale, Viembos, Joe Biden. À siéger dans la coordination à l'Union sacrée, tout ça, président, il y a Sénat. Vous comprenez? Après, tout ça, il y a un regroupement miné, mais il y a Moïse Katumbi, dans l'ensemble, secrétaire général, à siéger. Sur le plan de la communication. Non, bilan et union sacrée ne nous engage pas. Au moins, il y a un débat. Comment ça ne vous engage pas pour ça, dans solo, mais ils ont engagé Binoté. Ensemble, le bilan est collectif. Président Jean-Pierre Bemba avec le MLC. IDPS, AFDCA, même Bissot Mosaïque PPD avec Viechard Charles Lokoto, parce que c'est une conception de Zanakatama Solo. Voilà un peu ce que je vous dis, qu'à ce stade, étant donné que l'Union sacrée est boule et bimi. On n'a pas encore structuré l'Union sacrée. Charte mais pour le moment, oui. Vous autres en Bolara, bon, des autres, des autres, des Kibougoudi, des autres, des populations, populations, des alliés comme tout Namingi, Bazolo, Maman Frida. Tout dans l'émission de Denis Kambay parce que c'est en direct, malgré que la population est tout là. Non, il y a une population tout là. Population tout là, il y a une question. Est-ce que vous continuez toujours à travailler dans la vision du chef de l'État ou bien vous travaillez car pour votre propre intérêt parce que 2023 l'élection est causée là? Oui. Toujours travailler dans la vision du chef de l'État. Chef de l'État, tu sembles que ma casse par rapport à Bangouna Bazayo Ganesagano, mon livre, il est en vie, il est avec nous. Et tout le monde en est tombé dans ma solo parce que, comme je l'ai dit toujours, nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Les grands espaces, espaces de la Grande Orientale, le Grand Kivu, le Grand Katanga, le Grand Kassai, Grand Équateur, le Congo Central, Kinshasa, les grands leaders d'opinion, il y a beaucoup de gens, des champions, des patrons, des plateaux de télé, mais sur le terrain, population est au que vous travaillez pour le chef de l'État. Parce que, vous avez dit que 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 vous avez dit que
Ayo kota na union sacrée. Et union sacrée ça ni pour protéger. Mouta sali mbemba kimi mbam. Nesi na za bosso na yibi na détourner mbala moko na bengi vena de ni campagne na za bosso na kota union sacrée. Après bino bosso ni ni. Te yo na mangate, omoni gel wana ba boya ba kota. Na yibi ke sona bengi yo gel wana vio yibi ba gel wana bien. Ko benga ba ke no botsika fridali. Na union sacrée na yanga moko na yana mudu. Ah oui na gel té. D'abord. Mais kuno ke na kana gel. Je l'ai expliqué au mama. Pour ba boya ba. Il faut pas comparer na ba tu sous union sacrée. Oui, mais exactement. Denis Kambay. Denis Kambay. J'ai fait une émission sur comment perfecte sur Peter Chani à l'époque. J'étais le premier. Question publique. Peter Chani, beaucoup de émissions. Oh, mais Denis Kambay, il y a une marche de soutien aux institutions de Denis. Il répondait clairement. Je m'appelle Denis Kambay. Il y a mon sous pour aller, il faut vraiment Delpha présenter. Maintenant, il y a Kambay. Vous comprenez la différence? En tant que Kambay, il y a des marches. Il faut que vous ayez des marches. Et marches, c'est une marche de soutien des institutions. Première institution, c'est le président de la République. Mais il y a une marche. Au lieu de soutenir une première institution qui est le président de la République, et comme il va attaquer contre une institution, nous sommes au gouvernement, nous sommes au pouvoir, président de l'Assemblée nationale. Azo chrétien que l'IPA et Matital. Azo Bosanaga le gestionnaire au quotidien. Azo Bosanaga le gestionnaire au quotidien s'appelle Premier ministre Vier Nabisso. Il y a mouvement, il y a parti Nabisso. Vous comprenez? Bah, ignorance, on a que je ne peux pas mettre, il faut la bête à. Donc, j'ai remis la pandille à l'heure dans le bel aïe. Maman, nous continuons à travailler. J'ai dit, il y a dans ce pays les gens qui doivent se taire tout simplement pendant un temps. Compte tenu du passé, il y a du Moko, non, Moko, Nabisso. De gana osamba en tant qu'ancien gouverneur de la centrale, na osamba en tant que ministre des sports, na osamba mutro mutoka na ba casserole na ye. Mais je dis qu'il y a des gens qui doivent apprendre tout simplement à se taire et d'en vouloir devenir des donneurs de leçons. Une fois de plus, oui. Monsieur Denis Kambay, il y a un verset de la Bible, Galates 5, chacun portera ses propres charges. Voilà. Monsieur Denis Kambay, vous êtes dans l'union sacrée. Oui. La majorité des gens pense qu'il y a des politiciens corbillards. Hier, vous étiez avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, avec Félix, vous parlez plus que même quand vous parlez avec Kabila. Vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce que vous travaillez pour la réélection du président en 2023 ou pour sa chute? Si vous travaillez pour sa réélection, qu'est-ce qu'il a déjà fait qu'en 2023, vous pouvez présenter devant la population pour qu'il soit encore élu? Merci. Cette fois-ci, c'est pas la question. Parce que Delpha dans la seule défaut. Exemple, la Milaï. Pour nous poser la petite question à la fin. C'est pour ça que je répète que Nengen a Zaboui. Parce que Baza partout. Attends, il y a un verset biblique, vous avez dit. Verset biblique, la biblique, il y en a pas la pasteur. Je vais le dire parce qu'il ne peut pas me mélanger. Ah, d'accord. Dans la catégorie Abatmo, il ne croit pas que Nengen a un plateau. Je ne suis pas du PPRD. Non, la Constitution ne me le dit pas. Je suis le rare sénateur élu au Conseil central de Kalchio sur la liste PPRD. Et je le reste jusqu'en 2023 avant la paix de ma solo. Surtout par l'élection à deuxième niveau, deuxième degré, être sénateur et être gouverneur, ça n'a rien à voir avec les partis politiques. C'est l'équation personnelle de chacun de nous. Monsieur Denis Kambay, ma question souffre de réponse. Est-ce que je peux rentrer sur votre question? Ma question souffre de réponse. Je voudrais vous aider. Pour avoir le bagage, dites à vos amis là, vous retrouvez dans vos cercles. Je suis devant vous. Répondez-moi. Mais pourquoi vous voyez les gens derrière moi? Mais vous avez dit, les gens disent. Ah, voilà. Je suis journaliste et j'ai dit répondre. On a dit que les gens disent, je vous réponds avec vous. Si quand de Denis Kambay a répondu, les gens disent. Mais je vous dis pour aller dire à vos gens, place beaucoup dans la place, mais là, moi, il y a des gens qui ont porté parole. Que Denis Kambay. Il y a un coup de la bataille, mais il y a un coup de la bataille. Il y a un coup de la bataille.
Bon, on va pas la nous allons bien. Le bilan, nous le présenterons au moment opportun. Nous avons encore 2 ans. Voilà. Ne nous posez pas de questions sur le bilan. Il est 2023. Mais si Jésus revenait bientôt, vous comprenez, moi, je suis chrétien. Bon, coloyer, souillaque, l'obéier, soyez. Non, c'est le langage des politiciens corbières. Non, ce n'est pas les politiciens corbières. Il y a des politiciens sérieux dans ce pays. Parce que vous ne l'aidez pas. Donc vous allez, vous allez présenter le bilan 2023. On est qui? Non, parce qu'on a vu tout son. Dans le mi-parcours, quand même, on peut évaluer. On peut évaluer. Dans le mi-parcours, on peut évaluer. Je quand même le bilan de Moïse pasteur Moïse Mbiye, que je salue à pas ça. Je ne te permettrai pas. Il y a Obanda Worba porte-parole, il y a patron. Le bilan du président Félix attendait 2023. On ne peut pas faire le bilan maintenant. Pour faire plaisir à qui? Le bilan mi-parcours. Non, mais on le fait à qui? Mi-parcours. Et ça va faire quoi? À la population. Non, mais, pour que la population. La population attend de vous trop. Le peuple d'abord, c'est avec vous. Le peuple d'abord, c'est avec vous, l'Union sacrée. Qu'on n'a pas besoin de faire le bilan maintenant. Parce qu'il n'y a aucun enjeu. Il n'y a pas d'enjeu politique maintenant exact. Le bilan, c'est en 2023. Attendez-nous en 2023, on verra le bilan. Voilà. Merci. Voilà. On va terminer parce que nous courons, on continue à son avancée par rapport à ma sujet, ma thématique, la mission. Mon gros amour, quand ça a tourné à Grand Kassai, et puis, Bazo Zélaï, et puis, à l'Équateur. Ma mission TV, le miroir du monde.